Je me souviens encore de la vie avant la guerre. Je me souviens que nous étions différents, que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait, et nous avions même conquis le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais, et je m'en souviens. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'Ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal.
rentre.